Je suis donc ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu sur le titre, c'est Instagram contrôle ma journée. Donc en premier, du coup je vous mettrai tout le temps ici. En premier, j'avais demandé à quelle heure je me réveillais. Et donc bah j'avais choisi entre 8h ou 9h30. Et vous avez été la majorité à choisir que je me réveille à 8h. Donc là, il est un peu... 8h moins 5, donc voilà, je suis dans le temps et j'ai respecté votre choix. Le prochain sondage, c'était qu'est-ce que je prenais au petit-déj entre un yaourt 4 quarts ou un pain au chocolat. Donc on va voir tout de suite le résultat que vous avez choisi. Et l'autre sondage aussi que je vous ai mis hier en avance, c'est combien de temps je promenais mes chiens. Et ça a été à la majorité une heure. Donc vous voyez toutes les petites réponses toujours ici sur ce côté. Donc du coup je vais filer me préparer et puis prendre mon petit déj et puis la journée va démarrer. On se retrouve tout de suite. Et en prime, voilà l'état de mon lit le matin et où se trouvent mes chiens exactement. Et donc là il y a une partie de mes affaires, mes chaussettes et mon pull pour aller courir. Tout simplement là je vous ai pas vu choisir parce que sinon ça aurait pris trop de temps. Mais ma tenue d'équitation, je vous la ferai choisir. Donc voilà, je m'habille, je déjeune et puis let's go. Du coup, pour vous faire un léger aperçu de ma tenue, j'ai un sweat Gap, un débardeur noir tout simple de chez Undies, un jogging qui doit venir de Dégat ou Go Sport, et puis mes baskets roses qui viennent d'un super bon magasin pour courir. Je suis déjà habillée en tenue comme ça. C'est plus rapide, let's go le petit déj. Donc voilà, je me suis servi le petit déj, le yaourt, le 4K, je ne vous mens pas, j'ai pris ce que vous avez choisi. Et pour ajouter, je vais souffler un peu. Et voilà comment ils partent quand on part de la maison. Donc j'ai mis les petites laisses parce que ce sera plus pratique pour faire de la ville et des allées, des parcs, tout ça, un peu tout. Donc let's go. Donc, oh. Cette première partie de balade, pardon, eh bien nous allons l'aller Jeanne d'Arc. Où dans ces moments-là, je me permets de lâcher Flora parce qu'elle, elle revient bien au rappel. Donc voilà, voilà. Voilà l'allée Jeanne d'Arc. Et les poilus qui sont contents. Et qui me trimballent déjà. Là, on peut trouver un endroit où. Je peux lâcher qui pas trop autorisé mais on fait quand même. Kiwi il y a des bonnes odeurs là-bas. Kiwi coucou coucou. Non, et quand est-ce qu'ils ont trouvé une bonne odeur? Ça donne ça. Kiwi reste 10 minutes dessus. En 10 minutes, j'exagère un peu, mais au moins 5 bonnes minutes à tout casser. Ça y est, il est passé à autre chose. Il y a Nounouche qui est là-bas. On vient donc d'arriver. En tout, on est parti 55 minutes pile. Donc quasi une heure. Et là, la première chose qu'ils vont faire, vous allez voir, c'est courir vers l'eau. Ah ben d'accord. Il est ouvert. Hop, vous voyez, je vais courir vers l'eau. Ce sont donc deux petits alcooliques qui sont épuisés. Hein? Un kiki? C'était bien la balade? Voilà, donc on est rentré avec les toutous. Et vous voyez, ils sont là. En tout, donc on est parti, comme je vous disais, 55 minutes. Et on a fait quasiment
4 km, mais je vous mettrai en photo aussi là. Et maintenant, on va voir tout de suite qu'est-ce que vous avez choisi où j'irai courir. Donc, soit le parc Balzac, soit le parc de Pignerol. Et donc, c'est. Voilà. Donc, je suis partie pour ma petite course à pied du jour. Et niveau kilomètres, vous aviez le choix entre 3 et 6. De toute façon, je vous le mettrai sur le côté par là. Le résultat. Donc, c'est parti! Petite partie en forêt. Petit tour avec vue sur le lac de Maine. Alors, j'ai quitté le lac de Maine pour encore un petit bout de forêt. Et puis ici, je vais encore continuer à longer. Et là, j'en suis quasiment, enfin, 4 km. J'ai déjà fait 4 km et demi. Donc, je vais rentrer dans les clous sur vos 6 km. Il y a un petit bout de course à pied que je vous partage, puisque je vais arriver à avoir fait mes 6 km, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hello tout le monde, voilà, je viens de finir mes 6 km. La partie, je pense que j'ai fait une partie de ce que je vois. Donc voilà, je suis hyper fière de moi. J'ai relevé une fois de plus le petit défi Instagram. Ici, bah, du coup, je vous montrerai le parcours que j'ai fait et toutes les statistiques, pardon. Donc le tracé, les dénivelés, combien de temps j'ai mis, combien de kilomètres j'ai fait exactement. Voilà. Sur ce, je vais reprendre le plus. Alors, ayant perdu un peu de temps avec les sondages, parce que je vous les ai fait un peu tard, je vais juste mettre une machine en route. Vous mettrez quand même le sondage de ce que vous avez choisi entre le ménage et le linge ici. Donc je vais mettre une machine en rouge et je m'occuperai du linge sans faute, promis, ce soir en rentrant. Et vous m'avez, niveau sondage, si je partais à 14h ou à 15h, vous m'avez dit partir tous à 14h. Vu qu'il est 14h, je vais partir à 14h15, donc légèrement en retard. Et au niveau du repas de midi, je fais une petite dérogation. Et en fait, je vais manger que mon sandwich puisque je n'ai pas très très faim. Vous me direz que ça, ce n'est pas forcément bien, surtout après avoir couru. Mais voilà, je n'ai pas très faim, donc je ne vais pas me forcer. Donc ce sera sandwich. Et puis voilà. Et concernant le pantalon, je vous montre tout de suite ce que j'ai mis. Voilà, j'ai mis le pantalon que vous avez choisi. Mes chaussettes sont là, hein, donc je vais les mettre. Donc voilà, donc vite fait, je me prépare, je prends mon sandwich et puis let's go voir les chevaux. Donc là, je vais prendre mon bus qui est dans 2 minutes à peu près. Et du coup, je vais manger en attendant. Voilà, on se retrouve pour les chevaux. Donc voilà, je viens d'arriver au pré. Avant de commencer de regarder ce que vous avez décidé sur les derniers sondages que j'ai mis, donc ça va savoir si j'utilisais mon téléphone ou le réflexe ou les deux pour filmer, savoir par qui je commençais, savoir si j'avais tous les deux un passage complet, savoir ce que je faisais avec Philédo et ce que j'allais faire avec Eugène. En attendant de savoir tout ça et de vous les mettre par ici. À la suite, je mange ma compote, mon dessert. Voilà, on se retrouve. Donc voilà, pour commencer, vous avez décidé de choisir. Donc je vous mettrai le sondage ici. Vous allez voir qui je vais prendre. Concernant l'appareil photo ou le réflexe. Le téléphone ou le réflexe, ce sera un peu des deux, vu que je suis toute seule. Voilà. Et puis les sondages étaient très serrés. Voilà les dadous. Toujours côte à côte. Et ben alors? Et ben alors? Allez! Vous l'aurez compris, vu que le petit nain est devant moi. C'est bien parfait.
fil et donc on va commencer. La grosse tête de Fifi. Hello, donc nous voilà partis, on va l'adapter avec Leno. Donc je vais vous montrer le résultat là, à côté de lui peut-être. Donc c'est parti, je t'emmène avec nous. Et finalement ce sera que le téléphone parce que si tu tout avec le réflexe, j'ai plus de place. Donc là j'avais la peine de l'emmener pour des photos. Donc peut-être que je vous laisserai quelques photos. Voilà. Donc nous voilà arrivés au bord de l'Authion. Je vous ai pas filmé le petit bout de chemin où il y a tous les travaux, tout ça, parce que finalement il n'était pas très rassuré alors que c'est la deuxième fois qu'il le fait. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a vu. C'est des coureurs. C'est des coureurs. Oui, c'est des gens qui courent. Voilà, vous avez une belle tête de lui. Hein. Donc voilà, donc on est parti. On va faire le même chemin que la dernière fois, mais sans photo. Donc ça va aller plus vite. Et je vais mettre aussi mon application, comme ça vous verrez le parcours qu'on fait. Ce sera sympa. Donc bah, c'est parti. Hein. Bon, avant de repartir, ces petites pauses brooding, histoire qu'il soit rassuré. Un gros loup. Hein? Allez, on est reparti. Allez. Oh, petit téméraire, gros garçon. Poli, il m'attend. Je ne sais pas encore ce qu'il a vu. Ouais, il avait la tête vachement relevée parce qu'en fait c'était un troupeau de chevaux, un troupeau de chevaux avec leur cavalier donc du club qui est juste à côté. Donc voilà, il avait jamais vu d'autres chevaux en balade, donc voilà, un peu normal. Mais du coup on les a laissés passer. Il a hennié une fois. Il pose, il broute. Donc voilà, on va repartir gentiment. Hein, loulou ? Maintenant que t'as fait une petite pause brooding, histoire de te rassurer. C'est Filéno qui vous emmène en balade. Il est au taquet parce qu'il aimerait bien reprendre les autres chevaux. Sauf que ça marche pas comme ça. Donc on s'arrête. Arrêtez. Moi ce beau gosse là. Oui, c'est un beau gosse, oui, t'en joues. Allez, on est reparti. Ça m'emmener à l'autre bout du pays. Ce n'est pas un chien que j'ai, mais un. Ce n'est pas un cheval, mais un chien, donc, que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc, je disais, balade avec pas mal de distractions, puisqu'on a croisé donc deux groupes de cavaliers en balade de l'autre écurie. Un chien, il a eu peur des pierres, et encore, la balade n'est pas finie. Il nous reste à aller jusqu'au bout de ce chemin, et après, on prend la route. Dans l'autre sens, mais direction le pré. Donc il a émis une ou deux fois.
Donc il me double un peu, donc je filme pas tous les moments histoire qu'il oublie pas de me respecter quoi. Donc voilà, ça lui change de la balade calme de la dernière fois. Mais bon, il faut aussi ça pour qu'il arrête de stresser et que, hein, qu'il voit de tout quoi. Donc je vais m'obliger à leur faire ça plus souvent. Comme je peux avec mon boulot, parce que c'est pas évident, mais il faut vraiment qu'ils sortent davantage. Donc voilà, on va poursuivre. Hein. Là, on fait une petite pause pour qu'ils broutent et qu'ils s'apaisent un petit peu. Parce qu'en plus, là, dans l'écurie ici, il y a des poules, des coqs, des cochons. Enfin bref, un peu tout. C'est même pas un centre équestre, c'est une ferme. Voilà, voilà. Voilà, je viens de remettre Filino au pré. Monsieur est en train de boire. Non, non, non. Je vais chercher. Monsieur Eugène, il est là-bas. Il est coping. Avec son grand copain de toujours, Filéno quoi. Et encore, c'est même pas eux qui s'appellent, hein. C'est Mine qui appelle, mais je dis ça, je dis rien. Et après, je sais pas si Chérie veut s'occuper de Mine, on verra. Donc voilà, voilà. J'ai récupéré Eugène. Et comme toujours, il y a aussi. Et donc qui nous suit. Voilà, jamais l'un sans l'autre, comme je disais il y a 2 minutes. On fait avec, hein. Et voilà, on est en balade avec Thierry et Eugène. Et on n'a pas eu le temps de remplir hier les bidons, donc on le fera certainement demain. Voilà, voilà. Et on passe par le même chemin qu'avec Filéno cet après-midi. Et monsieur ne bouge pas une oreille pour l'instant. Parce que c'est la première fois qu'il fait ce chemin-là pour lui. Petite pause brooding sous les belles couleurs ce soir. Il perd pas de nord lui à brouter, hein, je vous le dis tout de suite. Oh, je sais pas ce qu'il a vu. Me revoilà donc pour la fin de ce Instagram contrôle ma journée. Alors, après avoir sorti Eugène comme vous l'aviez décidé en balade, on a nourri les chevaux mais il faisait nuit, donc je me suis dit que je ne voyais pas grandement d'intérêt à vous filmer ça. Donc en parallèle, je vous ai mis trois derniers sondages pour cette fameuse journée. Donc celui qui décidait qu'est-ce qu'on mangeait avec Chéri et qu'est-ce qu'on regardait à la télé. Enfin, qu'est-ce que je regardais surtout à la télé. Donc je vous mets les deux réponses là, par là. Et sinon, je vais être honnête, concernant le linge, je ne m'en suis pas occupée. Et concernant l'eau, finalement, on va le faire demain parce qu'il était trop tard et on était assez claqués avec mon chéri. Donc voilà, j'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu et surtout vous aura changé de ce que je peux faire d'habitude. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris grandement plaisir à partager tout ça avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à bien la regarder, hein, et à nous suivre sur YouTube. Sur ce, le dernier sondage, je ne vous en dis pas plus parce que ça se passera demain et ce sera dans une prochaine vidéo. Et j'ai trop hâte que vous les découvriez sans que vous le sachiez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.